Oh, te v'là, toi. Hey, Sylvain Duchier. Moi. Salut, Bruno Gagné. Pour plaisir. Ça va? Good. Hey, tout dans une autre vie, t'étais au... À l'Angelier. Ah, c'est ça, c'est là qu'on se croisait, hein? En plein ça. All right, good, viens-t'en. Jean-François Crevier. Ça, c'est l'ex à Vanessa Marois, c'est ça? Il est venu vous voir vendredi soir, je crois. Oui, elle nous a dit qu'elle t'avait engagé pour suivre son ex en République dominicaine. C'est ça, oui. Puis tu confirmes qu'il a retenu les services d'une mineure? Pour la semaine. Vous, vous avez fait quoi pendant ce temps-là? J'ai parlé à toutes sortes de monde. Ça vous tentait pas d'informer la police là-bas? Ça donne à rien. Ces filles-là travaillent pour des pimes qui sont protégées par la police. Bon, là, Sylvain était venu nous dire que le gars dont on parle, là, Jean-François, il chatte avec ce qu'il pense avec une fille de 15 ans, c'est ça? En plein ça. Moi, je pourrais bien continuer, mais ça ira pas plus loin. Je suis un policier, je suis un private. Mais tout est là. On me sent entre les mains, puis c'est une question de jour avant que vous l'arrêtiez. OK, regarde, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui me dit que ta cliente, là, elle fait pas juste ça pour faire chier son ex? Moi, je te le dis, parce que c'est moi qui l'ai suivi là-bas. On est en plein milieu d'un divorce. Ça va tout faire pour le saler le plus possible. Regarde, on fera pas les imbéciles puis nier ça, là. C'est sûr que ça n'ira pas, mais je te jure que c'est pas ça qui l'a motivé à me donner le contrat. Ah non, je dis pas ça pour ça non plus. C'est exactement pour ça que tu dis ça, c'est bien correct. Mais il reste un fait, puis tu le noies sur blanc. On a affaire à un pédophile, puis on peut pas fermer les yeux là-dessus. Tu veux pas lire dans le journal que la police le savait puis qu'elle a rien fait? Pas avec le même propos, j'espère. Non, non, mais le langage Internet. Des fois, j'ai l'impression qu'il manque des lettres sur son téléphone. Bon, 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 ma tante. Bon, on fait quoi avec ça? Moi, je vous le dis, il est prêt. Dans tout ce que vous avez entre les mains, il n'y en a pas d'entrapment. Pour moi, qui tend un piège, là, il se prend tout seul. Sérieusement, là, ça pourrait pas être motivé par son divorce? À quelque part, c'est certain. Mais t'as lu, sa femme n'est pas ici, là. Pas elle qui a initié cette conversation-là. Moi, tout ce qui m'intéresse présentement, c'est de sortir un pédophile du circuit. Bon, moi, avant toute chose, j'ai besoin de savoir c'est quoi le protocole qui t'a permis de te connecter avec lui. Toi, là, comment tu fais pour savoir que Campo Fine, c'est Jean-François Crevier? Je me suis collé à lui en République dominicaine. J'ai pris des tas d'informations, puis j'ai retracé des trucs dans son ordinateur, mais aussitôt que je suis revenu au pays, j'ai pris la peine de tout faire valider ce que j'ai fait avec Kim Lalande. Ah, oh, cette chère Kim. OK, fait que t'as clairé ça avec elle. Tout à fait. Ça te gêne pas si on l'appelle? Je trouverais ça stupide que vous le fassiez pas. Parfait. Mais là, qu'est-ce que je fais avec lui? Là, je vous le dis, il est prêt, il faut bouger. Tu proposes quoi? Ben, un setup. Il va s'inviter chez elle. Sa mère est pas là. Elle est à New York jusqu'à jeudi. La fille est toute seule. OK. On fait ça où? Ben, on pourrait louer un condo. Quelque chose comme ça? Ça nous prend une jeune fille. OK. Toi, Florence, ta fille, à quel âge? Ah, non, 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 oublie ça. Là. Pas que c'est pas une bonne idée, là, mais...